بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Quand nous pécons concernant Hijra, en même temps seulement nous devons penser, ce n'est pas premier Hijra, veut dire immigration qui peut prendre place dans l'islam. Auparavant, dans Mecca, comme en Quraysh, ben habitant Mecca, tu peux faire beaucoup de répercussions là qui peut accepter l'islam. Et là, avec la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis quitte Mecca, je finis une place qui s'appelle Abyssinie. C'est ça même qui est aujourd'hui connu comme l'Éthiopie. Je tire le 12 messieurs, 4 madames. Là-dedans, tu as Othman ibn Affan radiallahu anhu avec son madame, Ruqayya radiallahu anha. Ruqayya, c'est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je finis faire Hijra, je finis à l'Abyssinie, et là-bas, alhamdoulilah, un des rois finis qui est un Najashi, les finis d'un jeu, on dirait le confort, je finis vivre bien. Sa personne-là, un Najashi, quand il est décédé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam gagne une nouvelle. Il sortit, il dit avec son bon compagnon, Matal al-yom rajulun salih azoujien bon di monin mo malgré les mots de l'Éthiopie de Abyssinie Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recueille ce bon compagnon et lui dit de faire son namaz janaza à distance c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa action qui fait il y a un bon di mon qui dit soit dans lui-même, et surtout quand il finit d'accueillir ban Sahaba, les autres premiers Hijra. Nouvelle venue, ban habitant Mecca finit d'accepter l'islam. Donc, ça, c'est une personne à retourner à ce terre. Je te retourne pour vivre dans Mecca. Les temps, je peux retourner en cours de route, je te gagne une nouvelle. Non, c'est un mensonge. Ok. Une bonne partie de premier jeu, retour à l'Abyssinie. Parce que je connais là-bas, je ne vais pas rester, je vais pratiquer l'islam bien. Mais une partie parmi les restes qui sont ensemble, je retourne à Mecca. Et parmi là-dedans, il y a Abdul ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Donc je retourne à Mecca, comme on nous dit, je retourne de ces difficultés-là, de ces étapes-là, de ces problèmes-là. Et ça continue encore quelques mois, jusqu'à ce qu'ils aient demandé permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais là, plus que 80 personnes. À l'Abyssinie, pour la deuxième fois, ils sont restés. Donc, de là, nous trouvons qu'ils ont dès l'occasion, le roi Najashi, il n'a qu'il y a eux. Ils finissent dans un jeu de confort, et surtout, ils ont une pratique. La religion de l'islam bien, sans aucune représailles aux autres. Donc de là nous trouvons, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est son premier hijra, ça c'est son seul hijra, il quitte Mecca et Al-Madina. Mais dans l'islam, avant, finit dans des hijras, des immigrations. Malgré qu'il deux premiers vers la même destination, mais seulement les fins prend place, de la chef frère et sœur, ou donne l'endroit, ou donne place, ou donne la case, que vous trouvez, vous, pas capable, reste de l'obéissance à Allah. Connais-les ou dévot pour bouger. Tant que vous trouvez, vous, Alhamdulillah, nous donne place, que nous sommes capables de pratiquer. Nous dînes, nous sommes capables de nous azan, nous sommes capables de nous rosa, nous sommes capables de faire nos hajj, connais et beaucoup faveur à Allah. Alhamdulillah. Paix n'a aucune sécurité excepté pour l'obéissance à Allah. Donc, tant que nous restons de l'obéissance, sa sécurité-là, sa facilité pour nous continuer à pratiquer nos religions-là, pour être garantie à nous. Mais les jours, les moments, l'air qui nous quitte, nous l'obéissance, nous, aujourd'hui, de nos jours,
Acceptez qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever sa sécurité-là et ne vous trouve de plus en plus d'épouvines difficiles pour un musulman qui pratique ça, ce dîne. Profitez tant qu'il y a une facilité-là. Reste de l'obéissance à Allah. Continue même après le mois Ramadan afin qu'il faveur Allah pas être enlevé depuis nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.